إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, avant tout, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse une fois de plus pour ce retard car je n'étais pas à Bruxelles, donc je viens de rentrer tout simplement. Aujourd'hui, nous allons commencer, inch'Allah, un nouveau chapitre. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que c'est le dernier chapitre, quelque part, de la biographie prophétique. Ce chapitre a trait à cette dernière étape, cette étape décisive de la biographie prophétique, du parcours de la prophétie. Et comme vous le savez, toute histoire a une fin. Toute histoire a une fin. Et nous sommes ici, à cette fin, face à cette conclusion, qui bien entendu laisse plus d'un parmi nous triste et chagriné, chose tout à fait naturelle. Que dire de ceux qui étaient présents à cette époque et qui ont vécu donc cet événement. Il s'agit de du décès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la fin de la biographie, la fin du parcours, la fin d'une épopée aussi, au sujet de laquelle nous n'avons pas souvent l'habitude d'insister. Alors il y a des prémices. En arabe on appelle ça irhasat. Il y a des prémices indicateurs de cette mort prochaine. Je voudrais vous les citer très rapidement. Parmi ces prémices, prémices et féminin, je pense, c'est pas masculin. C'est prémices, c'est juste. Je ne me suis pas trompé, ok. Parce que bon, avec la fatigue, on a tendance à ne pas faire attention à ce qu'on dit. Parmi ces prémices, il y a le fait que lors du dernier mois de Ramadan, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé, à Médine bien entendu, Jibril alayhi salam s'est présenté à lui deux fois, ce qui n'est pas coutume, ce qui n'est pas en soi habituel, car initialement, il ne venait qu'une seule fois. Et là, lorsqu'il est venu deux fois, c'est la preuve que c'est bientôt la fin. Aussi, lors du pèlerinage, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit, comme nous l'avons vu lors du cours passé, n'a-t-il pas dit à ses fidèles, à ses compagnons, à ses disciples, au début de ce pèlerinage, ne l'aura-t-il pas dit ? Khudu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Prenez de moi les rituels de votre pèlerinage car je ne sais pas si vous me rencontrerez l'année prochaine. Autrement dit, je ne sais pas si je serai encore présent donc l'année prochaine. Aussi parmi ces prémices également, dans les débuts du mois de Safar, de la 11e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti ou s'est rendu à Uhud. Il s'est rendu à Uhud et a salué les martyrs. Il a salué les martyrs et il est resté longuement faire des invocations. En concluant ces invocations par le propos suivant, nous vous rejoindrons très bientôt. Et puis il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Ce qui stupéfia, pardon. Faites attention à ma fatigue. Hein. Ce qui stupéfia les compagnons.
qui étaient là. Ils ne comprirent pas sur le moment pourquoi pleurent-ils. وَمَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô messager de Dieu? Que répond le prophète sallam? Il répond tout simplement que il attend avec impatience la rencontre de ses frères. Inni ashtaq ila luqya ila luqya al-ikhwan. Alors il lui dit, nahnu ikhwanuk. Je suis impatient de rencontrer mes frères. Ils lui dirent, mais nous sommes tes frères. Il dit là, antum ashabi. Vous êtes mes compagnons. Al-ikhwan, les frères, ce sont ceux qui viendront après moi, qui croiront en moi sans m'avoir vu. C'est nous. Il s'agit de nous. Il s'agit de toutes ces générations qui sont nées après sa mort jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. C'est un événement très important qui indique que le prophète sallam faisait ses adieux au monde des vivants, mais aussi au monde des morts. Une nuit, il sortit en direction de l'Baqi'a. Et il y resta aussi longtemps. Je rappelle, le cimetière de l'Baqi'a, c'est le cimetière de Médine. Il y resta longtemps et fit des invocations pour les morts s'y trouvant. Mes honorables frères et sœurs, ceci représente quelques-uns de ses prémices indicateurs de sa mort prochaine, de son départ prochain. Maintenant, parlons de la maladie. Cette maladie qui va conduire à son décès a une histoire, elle a un début. Le début de cette maladie remonte chronologiquement à l'an 7 de l'Hégire, après la bataille de Khaybar. Quel est le nom qu'on a aussi donné à la bataille de Khaybar? Al-Ahzab, c'est Al-Khaybar ou bien Khandaq? Ahsant. Fais attention. Très bien, t'as bien réagi. Après la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité chez un homme qui s'appelle Salam ibn Mishkam. C'est un juif. Son épouse a préparé à manger. Il était invité à partager le repas. Le prophète a mangé, s'est mis à manger. Et Allah Azza wa Jal, c'est un miracle, a fait parler cette viande. Ne la mange pas, elle est empoisonnée. Il a recraché. Mais le problème, c'est que il n'a pas tout recraché. La contamination de ce poison était là, elle était présente. Et de ce fait, des années plus tard, cette maladie ou cette contamination va produire ses effets et va conduire à son décès. Et ça, je pense, est très important à souligner. Vous savez, Allah Azza wa Jalla fait bien les choses. Le dessein divin, pas avec un i. Comment on écrit dessin? Exactement. Dessin, pas avec un i, mais E-I-N. Autrement dit, le projet divin, le destin divin aussi. Dessin et destin allant dans le même sens. Le destin divin ou le dessin divin est très bien fait. Cette maladie va générer des effets désagréables après la fin de son pèlerinage. Le pèlerinage d'adieu qu'il a accompli. À la fin de ce pèlerinage, 3 mois plus tard, le prophète va ressentir de terribles douleurs. Il va ressentir des maux de tête
insupportable. On appelle ça en arabe soudah ou ras. Des maux de tête insupportables. Et ces maux de tête vont s'accompagner, bien entendu, de fièvre. Humma. Il va s'installer chez l'une de ses épouses, Maïmouna. Et il va demander l'autorisation à Maïmouna de pouvoir partir et s'installer chez Aïcha. Bien sûr, Maïmouna ne va pas refuser cette demande, voyant déjà le prophète dans un état de souffrance. Et c'est là que Al-Abbas arrive et Ali ibn Abi Talib, tous les deux. Ils prennent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils le mettent debout et il rabat ses bras sur leurs épaules. Il a serré autour de sa tête, ce n'est pas un turban, mais c'est une sorte de tissu qu'il a serré pour tenter de atténuer donc cette douleur qui touchait donc sa tête. Il va marcher, mais en réalité il n'a plus de force. Il est très faible. Et en marchant, il va traîner ses pieds par terre. Et ils vont l'emmener chez Aïcha. Il a choisi Aïcha parce que Aïcha occupe une place particulière dans le cœur du prophète Hassan. C'est son épouse préférée. Et comme vous le savez, le prophète étant polygame, il n'y a pas de contradiction à cela. En tant que polygame, il a le devoir d'être juste et d'accorder un traitement équitable sur le plan matériel. Mais sur le plan affectif et émotionnel, ce sont des choses qu'on ne sait pas contrôler. Et c'est pour cette raison que Aïcha sera son épouse préférée. Il fut interrogé un jour, on lui dit: Man ahabbu an-nisa ilayk? Quelle est la femme que tu aimes le plus? Aïcha. Il répondit: Aïcha. Wa min ar-rijal? Et parmi les hommes, Abu Bakr. Son père, Abu Bakr. Donc tout à fait normal qu'il s'installe donc chez Aïcha afin qu'il soit donc soigné chez elle. Par rapport à ça, le prophète Hassan souffrait énormément. Il souffrait beaucoup. Au point qu'on devait déverser, pour ne pas dire verser, mais déverser de grandes quantités d'eau sur lui. Parce qu'il sentait une chaleur terrible qui l'envahissait. C'était insupportable. Et lorsqu'il avait des moments d'absence de conscience, ou autrement dit, il tombait dans l'inconscience, au moment du réveil, il disait souvent: La ilaha illallah, inna lil maut la sakarat. Je ne témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah. La mort, certes, a des affres. La mort fait souffrir. Et donc on voit que ce n'était pas facile pour lui, ni pour son épouse, ni pour ses compagnons, de vivre ces derniers événements et ces derniers instants. On va y revenir encore plus tard, Inch'Allah. Je vous propose maintenant ce qu'on peut appeler Yaoumiyatul Marad, une sorte de calendrier des derniers jours. Un peu comme les 10 derniers jours, si vous voulez. Le calendrier des derniers jours de vie du prophète. Qu'est-ce qui se passait durant ces jours-là? Alors écoutez bien. 5 jours avant son décès. Et pour être très précis, le mercredi. La maladie l'affecta un peu plus. Il sentit des douleurs terribles. Il s'évanouit plus d'une fois. Et à chaque fois, il demandait que l'on déverse sur lui de l'eau. On le faisait asseoir et on déversait sur lui de l'eau. Au point
que les témoins oculaires de l'époque disent qu'il fut ramené à déverser 7 cruches d'eau. Vous imaginez 7 cruches d'eau. Ils ont déversé sur le prophète sallam afin de le refroidir, parce que ça lui faisait du bien, ça le rafraîchit et ça lui permet de se réveiller un peu par rapport à la lourdeur de cette maladie et ce qu'elle engendre comme torpeur. Mais à un moment donné, après avoir versé ou déversé cette eau, cette grande quantité d'eau sur lui, sur sa demande, il sentit à un moment donné une légèreté, khifa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à la mosquée. Il s'est installé sur le minbar. Et il a fait part de ses dernières recommandations. Al-wasaya al-akhira. Alors parmi ces recommandations qu'il fit, il mit en garde quant à la malédiction qui a frappé certains gens du livre qui nous ont précédés, d'avoir élu les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration et de culte. Nous avons en garde contre ça. Ne faites pas ce qu'ils ont fait, ou sinon vous serez frappé par la même malédiction. Regardez, même au moment où il approche la fin de ses instants, il nous donne encore un cours d'unicité at-tawhid. C'est la preuve que l'unicité at-tawhid accompagne le message de l'islam du début jusqu'à la fin. Ce ne sont pas des leçons qui sont données comme dans des cours et puis on a tout assimilé. Même lors des derniers instants, il enseigne encore ce fondement important, cette préservation absolue du culte pur de l'adoration, donc que nous devons vouer à Allah Azza wa Jalla. Ensuite, il a accompli la prière de Dhuhr. Il a dirigé, parce qu'il sentait léger, il était capable de prier. Après quoi, il s'asseyait à nouveau sur Minbar. Imaginez-vous, regardez la mosquée du prophète, regardez le Minbar, la tribune, imaginez-vous l'ambiance. Ils sont là réunis autour de lui, il est assis sur la tribune, sur la chaire, Minbar, et de nouveau il passe à une autre série de recommandations. Alors il recommande de prendre soin des Ansar. Parce qu'il faut savoir que le prophète sallam n'a jamais oublié les mérites des Ansar. Quand les Mekwa l'ont chassé, ils l'ont humilié, ils l'ont méprisé, il a été reçu les bras ouverts, le corps ouvert par ces hommes et ces femmes qui ont tout sacrifié pour l'islam, que sont les Ansar. Et ça, le prophète ne peut pas oublier ça. Car il nous a appris une chose pour nous aussi, c'est un enseignement. Il nous a appris une chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, toute personne qui t'a prodigué un bien, aussi petit soit-il, aussi minime soit-il, prends garde de ne pas te montrer ingrat à son égard. Il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Quelqu'un te prodigue un bien, aussi infime soit-il, et demain, tu es en désaccord avec lui, tu l'effaces de ton répertoire, tu le nies complètement, tu ne le connais plus, et t'oublies peut-être, et certainement t'oublies tout le bien qu'il t'a fait avant. Et l'expression arabe dit, « لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ وَلِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٍ » Chaque cheval de course est appelé à trébucher. Les chevaux de course, on appelle ça le jawad, c'est les chevaux rapides. Il est rapide, mais un jour il peut trébucher, c'est normal. Ou les coulis alimin hafwa. Et tout savant à son erreur, ou tout homme à son erreur, à sa négligence, à son oubli. Rappelons ici cet enseignement éthique très important que nous tirons de cette recommandation prophétique. Toute personne qui te prodigue un bien, ne l'oublie jamais. N'oublie jamais ce bien, sinon tu es quelqu'un d'ingrat. Et ô combien nous faisons quelque part preuve d'ingratitude envers ceux et celles qui un jour nous ont aidés dans une situation difficile,
un jour nous ont prodigué un conseil qui nous fut bénéfique, un jour nous ont aidé d'une manière ou d'une autre, et etc., etc. Et ça, c'est un enseignement éthique qu'on doit absolument retrouver, et que nous devons donc nous devons lui restituer sa vraie dimension dans nos relations sociales. Donc ici, le prophète sallam, il recommande de prendre soin des ansars, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit iqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Acceptez toute œuvre bonne venant du bienfaisant parmi eux et passez outre les éventuelles erreurs provenant de l'un d'entre eux. Regardez comment il enseigne le fait de respecter donc ces proches-là. Aussi, parmi les recommandations qu'il fit, il a rappelé à ses fidèles la place qu'occupe ce bas monde dans son cœur, dans son esprit. Il rappelle qu'Allah Azza wa Jalla lui a laissé le choix entre la beauté de ce bas monde, Zahratu Dunya, et l'au-delà. Et il dit, et ce serviteur, regardez comment il est modeste, il dit pas moi, il dit, et ce serviteur a choisi ma indallah, ce qui est chez Allah Azza wa Jalla. Il y a un très beau livre écrit par un auteur contemporain que j'ai souvent cité et évoqué lors de nos cours. Il s'agit de cet éminent savant, cet auteur au style raffiné, cet homme de lettres, cet amoureux de la langue arabe, qui était l'imam et le cheikh Abul Hassan al-Nadwi, l'Indien. Il écrit un très beau livre où il nous fait une comparaison de la perception que nous avons de la famille du prophète, des compagnons du prophète, entre chiites et sunnites. Et parmi les éléments qu'il apporte, il fait une comparaison. Il dit, regardez, tous les grands hommes de l'histoire, ils ont conquis les âmes, mais ils ont aussi conquis le monde matériel. Tous étaient des puissants sur le plan matériel, des palais, des terres qui leur appartenaient. Il dit, regardez Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas une preuve de sa supériorité spirituelle? Il était maître d'un immense territoire comme l'Arabie. Et pourtant, lorsqu'il est venu à mourir, il avait encore des dettes à son actif chez un juif qui lui avait accordé donc une quantité, on va y revenir, une quantité d'orge sha'ir, et il laissa son bouclier chez ce juif à titre de donc de prêt, donc hypothéqué, alors qu'il aurait pu avoir accès à toute la puissance matérielle possible. Et bien ce n'est pas le cas, parce que le prophète est resté sallallahu alayhi wa sallam, est resté à cette avant la prise de Médine, ou plutôt avant l'arrivée à Médine, dans les débuts de la révélation et à la fin. Et ça, vous ne trouverez que très rarement dans l'histoire des grands hommes de l'histoire. La plupart des grands hommes de l'histoire commencent de rien, fauchés. Mais lorsqu'ils atteignent le fait de leur puissance, ce sont d'autres personnes. Ils goûtent à la saveur de leur victoire. Le prophète, sa victoire à lui, c'est que le message de l'islam a enfin la prédominance sur l'Arabie. Quant au matériel, c'était vraiment son dernier souci. Et d'ailleurs, il n'y a jamais accordé la moindre attention, ni non plus importance. Et ça, c'est, je crois que c'est un enseignement très important. Abou Bakr, bien sûr, lorsqu'il a entendu le prophète sallam parler de ça, il a compris que le prophète est en train de leur dire, je vais partir. J'ai choisi ce qu'a chez Dieu. J'ai choisi ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jalla, je vais partir. Et Abu Bakr, bien entendu, se mit sur le moment même à pleurer parce qu'il a compris le signal. La reconnaissance, je l'ai dit, c'est un enseignement éthique prophétique très important. Le prophète Hassan ne peut pas s'empêcher de se rappeler des mérites de son compagnon de route qui n'est autre que Abu Bakr.
Il dit, la personne qui a le plus de droits à mon égard, par rapport à notre fréquentation, par rapport à ses biens, c'est Abu Bakr. Toutes les portes sont fermées. Et si une porte devait rester ouverte, c'est celle d'Abu Bakr. Regardez la reconnaissance. Le prophète n'est pas quelqu'un d'ingrat. Malheureusement, nous le sommes souvent. Il n'est pas ingrat. Il reconnaît les mérites de ce compagnon Abu Bakr. Mais regardez ce qu'il souligne. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. Si j'avais envie de choisir un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr comme ami intime. Mais en réalité, ce qu'il y a entre nous, c'est la fraternité et l'affection. Et ça, c'est un message important que le prophète s'en transmet à tous ceux qui osent dénigrer Abu Bakr, parce qu'il est mort en étant satisfait de lui. Regardez comment il reconnaît ses mérites donc à la fin de ses jours. Ça c'est 5 jours avant le décès. Le compte à rebours est mis en marche. 4 jours avant le décès. Nous sommes exactement le jeudi, le lendemain. Le prophète Arsalem dit, alors que la douleur s'est intensifiée, il dit, apportez-moi de quoi écrire afin que je vous laisse un testament. Ça, ce point-là va rester la pomme de discorde entre chiites et sunnites jusqu'à aujourd'hui. Et je vais expliquer ça maintenant. Apportez-moi de quoi écrire afin que je vous laisse un testament. Que s'est-il passé? Il y avait des compagnons autour du prophète sallam. Omar était présent. Omar, lorsqu'il vit cela, il dit, non, c'est la douleur qui l'emporte. C'est la douleur qui l'emporte. Et il n'a pas tellement tort, parce que la douleur s'accompagnait souvent d'inconscience. Le prophète tombait souvent dans l'inconscience. C'est la douleur qui l'emporte, et généralement, elle est accompagnée d'inconscience. Pardon. Et Abou Bakr de dire, vous avez le Coran, il vous suffit. Et c'est là qu'une divergence s'installa entre ceux qui étaient autour du lit prophétique. Moi j'ai dit Abou Bakr. Omar. Je viens de dire Abou Bakr. Non, c'est Omar, pardon. Donc Omar dit, vous avez le livre d'Allah. Hasbukum kitab Allah. Le livre d'Allah vous suffit. Et c'est là que la divergence naquit autour du lit prophétique. Les voix s'élevèrent quelque peu entre certains qui dirent, nous sommes d'accord avec Omar. D'autres qui dirent, non, nous ne sommes pas d'accord. Il faut absolument qu'il nous écrive quelque chose. Et c'est là que le prophète Hassan leur dit, Qoumou anni, quittez mon endroit, laissez-moi. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur ce fait divers. Les chiites l'appellent Yawm al-Raziyya, le jour du malheur. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi Omar a empêché le prophète sallam d'écrire ce testament. Dans leur déduction, pour eux, ils voulaient écrire un testament dans lequel ils désignaient Ali ibn Abi Talib comme successeur. Ça, c'est leur raisonnement à eux. Or, il faut rappeler une chose. Un prophète ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Et si la rédaction d'un testament était obligatoire concernant le prophète sallam, il l'aurait fait sans hésitation. Or, il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, c'est que ce n'était pas important. Et Ali ibn Abi Talib lui-même, lorsque l'interrogea, qu'est-ce que tu as gardé comme trace de testament prophétique de ce que le prophète t'a dit? Il ne dit pas grand-chose. Si ce n'est qu'il nous a parlé de la libération du prisonnier,
du prix du sang concernant l'homicide et encore que lorsqu'il y a homicide volontaire entre un musulman et un non-musulman, je parle ici d'un État islamique bien sûr, entre un musulman et non-musulman, parce que c'est le musulman qui tue le non-musulman, il n'est pas exécuté. Il dit c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai comme recommandation prophétique. Donc on voit que Ali ibn Abi Talib aurait pu dire non, non, j'ai aussi parmi ça le fait qu'il m'a recommandé que c'est moi qui devais succéder, qui devait lui succéder. Or, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est un point très important à souligner que si la rédaction de ce testament, pardon, était obligatoire, il n'aurait pas hésité à le faire parce qu'un prophète ne peut pas désobéir à son créateur, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas non plus induire sa umma, donc l'induire en erreur. Donc je pense que c'est clair. Aussi, parmi les dernières recommandations qu'il fit ce jour-là, dans son souci de faire de l'Arabie le berceau de l'islam, mais aussi du message d'Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, dont les chrétiens et les juifs se sont disputés l'appartenance et la filiation. Les juifs ont dit non, il est juif. Les chrétiens ont dit non, il est chrétien. Et Allah Azzawajal dément les propos de chacun d'entre eux en disant: Ma kana Ibrahim ou Yahoudiyan wala Nasraniya, walakin kana Hanifa Muslima, wa ma kana mina mushrikin. Ibrahim, il n'était ni juif ni chrétien. Il était tout simplement pleinement soumis à Allah Azzawajal. Soumis. Et il vouait un culte pur à Allah Azzawajal. Et de ce fait, le prophète Hassan demande de faire sortir les gens du livre de l'Arabie. Pourquoi il a demandé ça? Vous direz ça aujourd'hui à un occidental, il va dire, ouais, c'est de l'intolérance. Vous parlez de tolérance, de cohabitation, etc. C'est de l'intolérance. Il met dehors les chrétiens et les juifs de l'Arabie. C'est intolérant. Mais ici, on va faire appel à l'histoire et surtout à la sociologie des religions. Pourquoi le prophète sallam demande ça? Parce qu'il sait que ces deux messages qui ont précédé l'islam, ces deux messages ont été affectés gravement par certaines croyances païennes. Et il est conscient que le fait qu'il reste en Arabie, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que le père des prophètes, qui est Ibrahim alayhi salam, s'il était vivant à ce moment-là, il aurait désavoué les chrétiens et les juifs en même temps. En leur disant, je n'ai rien à voir avec ce que vous dites et ce que vous faites au niveau de vos croyances et de vos convictions. Deuxièmement, le prophète veut, maintenant qu'il a purifié l'Arabie du culte païen, que l'Arabie est entièrement acquise à l'unicité at-tawhid, il craint l'avenir. Il voit très loin. Il a peur que le fait que les chrétiens, que les gens du livre restent en Arabie, et ça, c'est connu dans toutes les sociétés, qu'il y ait une influence, directe ou indirecte, sur les pratiques et les croyances des musulmans à travers la génération. Peut-être que maintenant, ces compagnons qui sont là, eux vont se préserver. Mais les générations futures, lorsque l'ignorance s'installera, et la négligence, et l'oubli, et l'insouciance, est-ce que ces générations futures vont-elles préserver cette valeur absolue qu'est l'unicité dans l'Arabie, le tawhid? Alors, elles vont se laisser influencer, elles vont se laisser pénétrer par certaines convictions et certaines croyances païennes présentes dans ces deux messages. Donc, regardez, sur le long terme, comment le prophète sallam voyait ça. Et ça, c'est un élément très important. Et en même temps, un troisième élément que je vous rajoute aussi par rapport à ce fait divers, à ce fait historique, pardon. Lorsqu'on lit l'histoire et qu'on compare cette relation qu'il y avait entre la chrétienté, les premiers chrétiens et l'Empire romain, on a tout compris. Isa alayhi salam, Allah azzawajal a voulu qu'il soit élevé auprès de lui. Ça, c'est notre foi, notre credo musulman. Mais après cela, que s'est-il passé? L'Empire romain qui a combattu les chrétiens, qui étaient musulmans en réalité,
les apôtres étaient musulmans, qui a combattu les chrétiens, a fini par céder. Mais lorsque l'Empire romain a cédé, lorsque les Romains ont adhéré, les empereurs romains, et particulièrement donc Constantin a adhéré au christianisme, il a adhéré avec tout son passé et tout son patrimoine païen, qu'il a fait pénétrer, lui, pas seulement lui, lui et d'autres, qu'ils ont fait pénétrer dans la chrétienté. Et voilà que c'est corrompu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu éviter ça à l'islam. Il a voulu mener son œuvre à terme. Il n'est pas question de répéter le scénario qu'il y a eu avec la chrétienté. Il n'est pas question de laisser les moindres germes des pratiques et des croyances païennes au sein de l'Arabie. L'Arabie doit être jalousement gardée par l'unicité. Et ça, c'est l'une des spécificités de l'Arabie. Min khasa'is al-jazira al-arabiya. Et ça, c'est important donc à souligner. Également, le prophète sallam, parmi ses dernières recommandations, ce fameux jeudi, il demanda à ses compagnons, à ses successeurs du mois, à traiter les futures délégations qui viendront jusqu'à Médine, à les traiter avec les mêmes égards que le prophète fit lui-même. Autrement dit, la manière dont le prophète sallam, traitait ses délégations, il demande à ses successeurs de leur accorder le même statut et les mêmes égards. Et le narrateur qui rapporte cette tradition concernant cette dernière recommandation du fameux jeudi a oublié le troisième, et nous sommes entre trois situations. C'est de rappeler, il y a trois hypothèses, soit le prophète a insisté au fait d'être fidèle donc au Coran et à sa sunna. Il a peut-être aussi insisté sur l'envoi du bataillon dirigé par Oussama ibn Zayd, et encore il a certainement beaucoup assisté sur la prière, et on va y revenir inshallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il souffrait, il a dirigé toutes les prières ce fameux jeudi, toutes les prières. Et d'ailleurs, au point que les compagnons ont retenu que même lors de la prière du Maghrib, lors de la prière du Maghrib, alors qu'il est fatigué, il est malade, il a récité lors de la prière du Maghrib la sourate Al-Mursalat, qui est juste après la sourate Amma. La sourate Al-Mursalat, il l'a récité entièrement durant cette prière-là. Pour quelqu'un de malade, de fatigué, d'épuisé, c'est quand même assez courageux en soi. Et ça, c'est un détail que les compagnons ont retenu donc par rapport à cette prière-là. Malheureusement, ce fameux jeudi, 4 jours avant son décès, au moment de la prière de l'Aïcha, ses douleurs ont une fois de plus augmenté et il n'a pas pu se lever. Il n'a pas pu se mettre debout pour se rendre à la mosquée, donc pour quitter son appartement et entrer directement dans la mosquée pour pouvoir prier l'Aïcha avec la Jama'a, avec la congrégation. Vous voyez? Mais que s'est-il passé? J'ai dit là tout à l'heure ce qu'il a eu. C'est que ce fameux jeudi, il est de nouveau tombé à plusieurs reprises dans la conscience. On appelle ça en arabe Al-Irma. C'est pas le coma. Parce que si le coma, souvent on dit quelqu'un qui tombe comme ça pendant des heures, on dit c'est le coma. Non. Le coma, c'est un dénommé médical bien défini. Quelqu'un qui s'évanouit, qui se réveille, c'est pas du coma ça. On peut pas parler ici de coma. On parle d'inconscience. Il tombe dans l'inconscience. Ok. Et ici donc, le prophète sallam est incapable de se lever pour aller à la mosquée. Mais regardez à quoi il pense. C'est incroyable, mais vrai. Regardez à quoi il pense. Donc on lui verse de l'eau. Lorsqu'il s'évanouit, qu'il se réveille à nouveau. Et lorsqu'il se réveille,
comme l'indique Aïcha, radiallahu anha, il pose la question suivante. Les gens ont-ils prié? Regardez à quoi il pense. Les gens ont-ils prié? Autrement dit, après de l'Aïcha. Et c'est là qu'on lui dit, non, ils t'attendent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mettez à ma disposition de l'eau. Il s'est lavé. Et de nouveau, il est tombé dans la conscience. Il s'est réveillé. Il repose la question à nouveau. Les gens ont-ils pris l'Aïcha? Et ceci s'est produit à 3 reprises. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Les gens attendent. Ils attendent qu'ils sortent pour diriger la prière. Il leur donne d'envoyer Abu Bakr pour diriger la prière. Aïcha n'était pas très d'accord. Aïcha n'était pas très d'accord que Abu Bakr dirige la prière. Pourtant, c'est son père. Regardez l'impartialité. Elle aurait pu dire non, c'est bien, c'est mon père, tant mieux. Elle est impartiale. C'est pas parce que c'est son père qu'elle va pencher pour lui automatiquement. Aïcha, elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas? Parce que Abu Bakr, c'est quelqu'un très sensible. Et lorsqu'il se met à lire, il se met à pleurer, il ne termine pas sa prière. Il ne termine pas sa lecture, pardon. Il ne termine pas sa lecture. Et alors, qu'est-ce que fait Aïcha? Elle n'a cessé de rediscuter, de resoulever cette question auprès du Prophète à plus de 4 fois, dans le but d'écarter Abu Bakr de l'imama, de la direction de la prière. Et le Prophète sallam regarde Aïcha en lui disant, Inna kunna kasawahibi Yusuf. Vous ressemblez, vous les femmes, vous ressemblez à ces fameuses femmes qui étaient à l'époque de Yusuf alayhi salam, qui était la femme avec la femme de l'Aziz. Il dit, je ne comprends pas pourquoi vous obstinez. Je décide une chose et vous faites tout pour la détourner. Et donc, le prophète sallam était assez clair, il dit, Mourou Abu Bakr, fais-le salli bin nas, ordonne Abu Bakr et qu'il ait dirigé la prière. Nous avançons dans ce calendrier. Nous sommes maintenant à 1 ou 2 jours avant le décès. Certains disent samedi, d'autres disent dimanche. Donc 1 ou 2 jours, vous avez compris, parce qu'il est mort lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressent de nouveau une certaine légèreté. Il se sent léger, un peu plus en forme. Alors il se lève et entre 2 hommes, il décide d'aller prier la prière de Dhuhr. Or, Abu Bakr était en train de diriger la prière. Et Abu Bakr a remarqué la présence prophétique. Et il a voulu se mettre en retrait pour laisser le prophète Hassan se mettre devant et diriger la prière. Et c'est là qu'il reçut l'ordre du prophète de rester là où il est. Et qu'a fait le prophète Hassan? Il s'est placé à la gauche d'Abu Bakr. Et il a terminé la direction de la prière. Vous avez compris? Il a terminé la direction, l'imama, la direction de la prière, il a terminé. Et Abu Bakr jouait le rôle d'appelant, Munadi. Donc il faisait le takbir à voix haute pour que tout le monde l'entende, parce que le prophète n'avait plus la voix d'avant. Sa voix était très faible. Alors il faisait le takbir pour que ceux qui sont derrière puissent suivre les mouvements de la prière. Et c'est de là qu'on tire ce que font certaines mosquées. Bon, maintenant que le micro, le problème est résolu, mais dans certaines mosquées, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que généralement c'est le muaddin, il crie à voix haute les formulations indiquant le déplacement d'un mouvement à un autre, le fameux takbir ou le sami Allah liman hamida par exemple. Mais certains savants contemporains, parmi lesquels le Cheikh Al-Albani, il est assez sévère là-dessus. Il n'a pas tort. Il ne comprend pas pourquoi dans certaines mosquées, dans le monde musulman, malgré qu'il y a le micro, le mu'adhdhin qui est derrière l'imam continue à crier haut et fort ce que dit l'imam. Pour passer d'un mouvement à l'autre. Et à quoi ça sert?
Il dit, le fait qu'il le dise, c'est parce que les gens qui sont tout derrière n'entendent pas. Et qu'il n'y ait pas de cafouillage dans la prière. Mais si le micro, via les haut-parleurs, réussit à faire transmettre à tout le monde le message, il n'y a plus lieu, à ce niveau-là, à ce que le mouadine répète. Et le prophète, sallam, s'il a fait ça, c'est parce que justement, si Abu Bakr a joué ce rôle, c'est parce que justement, vu sa faible voix, la faible voix prophétique, ceux qui sont derrière risquaient de ne rien entendre. Très important. Et ça, je crois que c'est important donc à souligner. Maintenant, nous arrivons à un jour avant le décès. C'est le fameux dimanche, un jour avant. Ici, le prophète sait que c'est la fin. C'est la fin. Il sent ça. Et ça, c'est connu, c'est les personnes qui décèdent. Je ne parle pas de la mort subite. Mais les personnes qui sont malades et qui sont sur le chemin du départ, toutes ces personnes, généralement, ressentent qu'elles vont partir. Elles sentent que c'est la fin, oui. Si, ils le disent. Ils le disent, mais d'une certaine manière. Ils le disent. C'est savoir exactement. Elles ne le disent pas, peut-être, ne le disent pas peut-être d'une façon comment on dit, explicite, mais on le ressent dans les propos qu'elles savent qu'elles peuvent. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là sont en train d'entrer en contact avec ce monde imperceptible qui est celui du monde de l'ange de la mort. Elles sentent ça. Et c'est ça que le prophète sallam dit إذا قبضت الروح تبعه البصر. Lorsque l'âme est saisie, le regard suit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des fois des morts qui regardent vers le haut. En fait, ils voient l'âme partir. Donc ces personnes-là sentent la fin donc approcher. Alors qu'a fait le prophète sallam lors de ce dernier jour? Vous imaginez, c'est son dernier jour dans ce monde. Demain, il ne sera plus là. Imaginez-vous. Et d'ailleurs, une histoire assez étonnante, c'est le cher Ibn Baz, rahimahullah, qui, malgré qu'il était souffrant, la veille de son décès, il est décédé un jeudi, la veille le mercredi, il recevait encore des gens chez lui. Il répondait à leurs questions. Il écrivait pour eux des requêtes. Même le Cheikh Al-Albani. Alors qu'il était souffrant, sur son lit, l'un de ses élèves allait chercher pour lui des livres. Alors qu'il est malade. Il va chercher pour lui des livres et il lit devant lui et lui il corrige. Et subhanallah, j'ai pu lire pas mal de récits de savants anciens dans les derniers instants de leur vie. C'est impressionnant. Leur cœur est encore attaché, avec bien sûr avant tout Allah Azzawajal, ensuite à l'ilm, à la science, au savoir, même dans les derniers instants. L'un d'entre eux, je suis assez étonnante, l'un d'entre eux, son élève est près de lui. Et à un moment donné, le professeur dit à son élève, il dit, rappelle-moi la question concernant l'héritage de la grand-mère. Alors l'élève dit, mais t'es souffrant, professeur. Pourquoi tu me poses cette question? T'es souffrant, il y a plus important. Il me dit, écoute, je préfère mourir en connaissant cette question qu'en l'ignorant. Vous imaginez? Il dit, je préfère mourir en connaissant cette question, en la maîtrisant, qu'en l'ignorant. Et il y avait un savant du hadith. Chose étonnante. Il est tellement habitué au hadith, les chaînes de transmission, les narrateurs, un tel a dit, il est tellement habitué à ça, que lors des derniers instants, l'un de ses élèves, on est venu, lorsqu'il voit qu'il approche de l'agonie, on est venu à lui faire prononcer la shahada. Et le professeur, donc ce savant, a cru, parce que c'est un réflexe,
il a cru comprendre que son élève lui pose une question sur les chaînes de transmission. Sur la chaîne de transmission de cette tradition prophétique qui touche au double témoignage. Et voilà que le cher, il a commencé, le savant a commencé à citer la chaîne de transmission. Un tel nous a dit, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, le prophète a dit, celui qui dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » et là il s'est arrêté, il est mort. Vous imaginez? Même dans ces instants. Donc le savoir est toujours là, il les anime. Chose assez impressionnante. Et donc le prophète, que fait-il la veille de son décès? Il affranchit tous ses esclaves. Il en avait quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Il donne en aumône 7 dinars, ce qui était beaucoup déjà à l'époque. Il donne en aumône 7 dinars. Les armes qu'il avait en sa possession, il les donne donc aux musulmans. Et c'est pas fini. Il avait une dette. Cette dette, c'était quoi? C'était, il avait donc acheté une quantité d'orge. C'est quoi l'orge? Sha'ir. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle, en arabe on appelle ça, enfin on qualifie cela sous le terme suivant, thalathuna sa'. Le sa' aujourd'hui, c'est un sa' aujourd'hui, c'est plus ou moins, c'est presque 2 kilos et des poussières. Ça, c'est le sa'. Donc le prophète sallam aurait donc acheté pratiquement 60 kilos d'orge pour sa famille. Et en échange, vu qu'il n'avait pas d'argent, il a déposé son bouclier comme garantie. Garantie de remboursement. Alors là, à ce moment-là aussi, il s'acquitte de sa dette afin de pouvoir partir tranquille. Donc, par rapport à ce moment. Regardez ici, subhanallah al-adhim, chose assez étonnante. Regardez comment réagit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Il ne part pas comme ça. Il s'acquitte de cette dernière dette. Et cette personne est non musulmane. Elle est non musulmane. C'est un juif. Ce n'est pas parce que la personne est non musulmane, donc c'est bon, c'est pas important. C'est une personne non musulmane, mais elle a un droit envers lui. Et ce droit, c'est qu'il y a une dette. Et cette dette, il se doit de la rembourser. Et c'est ce qu'il fit. Donc, à ce moment-là. Ça, c'était comme une chose très importante. Alors, subhanallah, comme on dit toute chose à une fin, nous arrivons au dernier jour. Et là, nous avons besoin d'un témoin oculaire qui va nous ouvrir la fenêtre de l'histoire pour pouvoir découvrir avec lui ce qui se passe lors de ce dernier jour. Alors écoutons ce témoin oculaire qui a vécu 10 ans auprès du prophète sallam, qui connaît tout et beaucoup de choses concernant le vécu prophétique. Ce témoin oculaire n'est autre que Anas ibn Malik. Que dit-il? Ce fameux lundi. Lundi, lors de la prière de l'aube, près de l'Fajr, pendant qu'Abu Bakr dirigeait la prière, les musulmans ont eu droit à une grande surprise. Le prophète sallam leva le rideau qui sépare son appartement de la mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait? Que fait-il? Il se mit à regarder ses rangs derrière Abu Bakr. Il sourit. Il se mit aussi à rire. Au point qu'Abu Bakr a cru, en sentant ce voile se lever, il a cru que le prophète voulait venir diriger donc la prière. Alors le prophète lui fait un signe de la main en disant « Terminé. » Votre prière. Il rabaissait le rideau et c'était la dernière fois
la toute dernière fois que le prophète sallam observait ses compagnons, observait sa communauté avant de partir. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sera la dernière prière durant laquelle il va observer ses compagnons. Et au petit matin, lors du Duha, le prophète a appelé Fatima, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il l'a fait asseoir près de lui, comme d'habitude, et il lui souffla dans son oreille un message, une parole. Elle se mit à pleurer. Ensuite, il lui souffla une autre parole. Elle se met à rire. Mais c'est un secret. Même Aïcha qui veut gratter les informations, parce que Aïcha, elle sait tout. C'est l'épouse, la confidente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on voit Fatima comme ça privilégiée, un peu de jalousie dans l'air. Alors Aïcha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient chez Fatima en disant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Regardez le sens de la préservation du secret. Je ne peux pas dévoiler le secret du prophète ou la confidentialité du prophète. Et ce n'est qu'après sa mort qu'elle va dire ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Aïcha est restée intriguée. Elle est restée, comme on dit, sur sa faim, elle n'a pas eu de réponse. Mais après la mort du prophète, c'est maintenant qu'il n'y a plus de raison de dissimuler l'information. Donc, il va lui dire, ou elle va dire à... Donc elle va dire à Aïcha, Fatima va dire à Aïcha, va expliquer à Aïcha ce que le prophète lui a dit. La première information qui fit pleurer Fatima, c'est que le prophète sallam lui a dit, vois-tu comment je suis malade, souffrant, je vais mourir dans cette souffrance. Cette maladie sera la cause de mon décès. Il s'est mis à pleurer. C'est normal. Il y souffla l'autre mot en lui disant, la première personne qui va me rejoindre très bientôt dans l'au-delà, c'est toi. Alors là, elle a un grand sourire, elle était contente. Regardez, la fille du prophète, c'est Fatima, radiallahu anha, Fatima Zahra. Regardez comment elle réagit. Alors que c'est une jeune femme. C'est pas une femme qui a 50 ou 60 ans. Elle est jeune. Elle a encore la vie devant elle. Et regardez comment elle a réagi. Elle était contente, heureuse et satisfaite de l'interpellation prophétique. Elle est contente de le rejoindre dans l'au-delà. Et comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, lorsque le prophète a fait ce sourire, c'est un sourire d'approbation, de satisfaction. Il est satisfait de ses compagnons, de ses fidèles. Et après Fatima, le prophète sallam appelle Hassan al-Hussein. Il les serre dans ses bras, il les embrasse et il recommande à Fatima, aux autres présents, de bien prendre soin de ces deux garçons, de ses deux petits-fils qu'il aimait tant, tout comme il recommande de prendre soin de ses épouses qu'il laissera donc derrière lui. Et oui. Et voilà qu'il arrive à l'agonie. Et avant l'agonie, il lâche son dernier message. C'est le tout dernier. As-salah, as-salah, as-salah. Veillez scrupuleusement à la prière, veillez scrupuleusement à la prière, veillez scrupuleusement à la prière, et respectez vos engagements par rapport à ces esclaves qui se retrouvent aux mains. Regardez comment il a comparé le prophète sallam, la préservation des droits des esclaves par rapport à la préservation de la prière. Ce sont deux amanas, deux dépôts, deux responsabilités. Ça, c'était sa dernière recommandation. Il n'a pas recommandé à ses compagnons, ni par rapport à l'argent, ni par rapport au pouvoir, ni par rapport à quoi que ce soit, si ce n'est par rapport à la prière. Alors, il reste une heure,
et c'est l'heure décisive. Et c'est la plus difficile en réalité. C'est l'heure du départ. C'est l'heure décisive, c'est là que tout se joue. C'est ce qu'on appelle en arabe Sa'atul Ihtidar. C'est l'heure de l'agonie. Comme vous le savez, je l'ai indiqué là tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans la demeure de Aïcha. Il était dans ses genoux. Sa tête était posée sur ses genoux. Et d'ailleurs, Aïcha, elle était fière. Parce qu'elle peut se vanter maintenant devant les autres épouses qu'elle a eu un privilège qu'elles n'ont pas eu. Et d'ailleurs, elle ne va pas hésiter à le dire. Et à le manifester. En disant, Allah Azzawajal m'a accordé trois bienfaits. Le premier, c'est que le prophète est décédé lors de mon jour à moi. Donc le prophète départageait d'une façon équitable entre l'ennemi, entre ses épouses. Il est mort lors de son jour à elle. Deuxièmement, il est mort dans ma demeure. Et troisièmement, il est décédé en ayant la tête reposée sur mes genoux. Ça veut tout dire. Abdurrahman, le frère de Aïcha, est venu rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré dans la demeure prophétique et le prophète qui avait la tête déposée sur les genoux de Aïcha, regardez la complicité entre un époux et une épouse. Regardez, il n'y a pas de protocole. C'est fluide, la relation est fluide. Que s'est-il passé? Il est rentré, il avait un siwak, bâton d'arak, avec lequel il frottait ses dents. Et le prophète sallam a regardé le siwak. Aïcha a très vite compris. Parce que l'une des choses que le prophète aimait le plus, c'est son bâton d'arak. Il aimait ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Abdurrahman de lui remettre son bâton. Elle l'a nettoyé. D'abord, elle a donné pardon au prophète sallam. Il n'a pas pu l'utiliser. Elle l'a nettoyé et ensuite il lui a donné. Parce qu'en fait, il devait nettoyer lui-même. Vu qu'il est très fatigué, elle l'a repris, elle l'a nettoyé et puis il lui a donné. Elle dit, je ne l'ai jamais vu frotter aussi bien ses dents avec ce siwak qu'à ce moment-là. C'est un geste noble ce qu'il fait. C'est le dernier geste qu'il va faire avant de mourir. Il a fait une dernière recommandation par rapport à la prière. Il va aussi accomplir un dernier geste avant de mourir, c'est ce fameux bâton. Et c'est là qu'on voit l'important de ce bâton d'arak. Regardez au point qu'il l'utilise comme étant, ou plutôt c'est le dernier acte qu'il accomplit, qu'il exerce avant de mourir. Cela prouve à quel point c'est important. Ou sinon, il aurait pu ne pas prêter attention. Abdurrahman, le fils d'Abou Bakr, serait entré, le frère d'Aïcha serait entré dans la demeure prophétique avec son siwak, il n'aurait pas prêté attention. Mais le fait qu'il regarde, qu'il fixe du regard ce bâton d'arak, et que Aïcha comprend très vite ce qu'il veut, qu'elle le nettoie et qu'elle lui donne et qu'il l'utilise, ça veut dire ce que cela veut dire. Et oui, toute chose a une fin, croyez-moi. Il avait près de lui un récipient d'eau. Il a commencé à prendre l'eau et à asperger son visage pour se rafraîchir. Et il faut savoir que pendant sa maladie, Aïcha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui faisait des invocations et il lisait les formules de protection, entre autres les deux sourates protectrices, Al-Mu'awwidhatayn, Al-Falaq et Al-Nas, la sourate l'aube naissante et la sourate les hommes. Et elle frottait sur les parties où il avait mal, où il avait de la douleur, mais pas avec sa main, elle, avec la main du prophète, celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a de la baraka dans sa main. Pas dans l'ancienne à elle, dans sa main, lui. Ici, le prophète s'asperge de l'eau, comme je disais. Et à chaque fois, elle répétera La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, inna de divinité qu'Allah. La mort présente certes des affres. Et ensuite, lorsqu'il a terminé d'utiliser siwak, il va lever le doigt vers le ciel, vers le plafond, pardon. Il va bouger ses lèvres. Aïcha, curieuse de savoir qu'est-ce qu'il dit, elle va se pencher vers lui et il va répéter le verset dans Sourate An-Nisa,
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Avec ceux dont Allah a comblé de ses bienfaits, parmi lesquels figurent les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et puis il dira, il al-Rafiq al-A'la, je rejoins le monde supérieur, al-Rafiq, ce monde supérieur dans lequel il y a Allah Azza wa Jal. Et c'est sur cette parole, mes honorables frères et sœurs, qu'il répète à trois reprises, il al-Rafiq al-A'la, il al-Rafiq al-A'la, il al-Rafiq al-A'la, vers le monde supérieur, vers le monde supérieur. Eh bien, c'est là-dessus que son doigt et sa main se relâchent et qu'il disparaît. Ça, c'est le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'information a circulé à la vitesse de la lumière. Très vite, les gens se sont rassemblés dans la mosquée quand ils ont appris son décès. Mais les gens étaient perdus. Ils ne savaient pas quoi penser. Et d'ailleurs, je vous le dis en passant, Omar est sorti menacer l'assemblée. Il leur a dit, certains hypocrites parmi vous osent dire que le prophète sallam est décédé. Moi, je vous dis qu'il n'est pas décédé. Il a tout simplement fait comme Moussa alayhisalam, comme Moïse. Il a fait un voyage vers son Seigneur et il va revenir parmi nous. Parce qu'en fait, c'est dur. C'est dur pour lui d'accepter cette vérité, qu'il est mort, il n'est plus de ce monde. C'est fini. Et pour information, je rappelle qu'il est décédé le 12 du mois de Rabi al-Awwal, à l'âge de 63 ans. Et c'était la 11e année, bien sûr, donc de l'Hégire. Médine s'est assombrie ce jour-là. Elle est devenue sombre. Au point que Anas ibn Malik, qui est témoin de l'ambiance morose qui règne et qui sévit au sein de la cité médinoise, il dit « Ma ra'aytu yawman qat kana ahsana wa la adwa'a min yawmi dakhala alayna Rasul sallam » Il dit « Je n'ai jamais vu un jour aussi gai, aussi illuminé que ce jour où le prophète est entré à Médine, lors de l'émigration. » Et ensuite il dit, وَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ سَلَّمَ. Et je n'ai jamais vu un jour aussi mauvais et aussi sombre que ce jour où le prophète Mohammed est décédé. Et donc, comme je disais, Omar adopta un ton menaçant. Abu Bakr était averti. Il habitait de l'autre côté de Médine. Il est arrivé. Il est entré dans la demeure prophétique. Il a soulevé le drap qui couvrait le corps prophétique. Il a embrassé le prophète sallam. Il s'est mis à pleurer. Il a remis le drap et il est sorti. Et lorsqu'il est sorti, il a vu le ton qu'utilisait Omar par rapport à ça. Et c'est là qu'il s'est mis à réciter un verset. Un verset qui mit à genoux Omar. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ رُسُولٌ أَفَإِنْ مَاتْ أَوْ قُتِلْ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. J'ai compris ce verset. وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رسول قد خلت من قبل الرسول. Muhammad n'est qu'un messager parmi bien d'autres. D'autres l'ont précédé. أفإن مات. Voyez-vous s'il est mort, s'il meurt. أو قتل. S'il était tué. إن قلبتم على أعقابكم. Allez-vous revenir sur vos pas. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Celui qui revient sur ses pas, il ne cause à Allah aucun préjudice. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et Allah récompensera ceux qui sont remerciants parmi vous. Ce verset, qui se situe dans la sourate Al-Imran, la famille de l'Imran, Omar le connaissait. Il dit, lorsque j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, et dire en plus,
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Celui qui adorait Mohammed, ben Mohammed est mort. Et celui qui adore Allah, ben qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Omar, en écoutant ce verset, donc le verset que je vous ai cité il y a quelques instants, il s'est mis à genoux et il dit, c'est comme si ce verset, je l'entendais pour la première fois de ma vie. Et ça nous arrive souvent, ça. Il y a des versets qu'on lit dans le Coran, qu'on récite, ça ne nous fait rien. Et puis, à un moment donné, on est dans un état d'esprit particulier, on lit, on récite un verset, ou certains versets, et on sent qu'il y a une interaction. Ce verset nous interpelle, nous touche directement. Et c'est comme si on l'a lu pour la première fois, alors qu'il se peut qu'on l'ait lu une dizaine et peut-être même une centaine de fois. Vous voyez que le Coran exerce toujours, il exerce un ascendant, un attrait sur les cœurs des hommes. Regardez ici, vous en avez la preuve avec, donc, avec Omar ibn Khattab. Alors, la tristesse l'emporte, et c'est là que les musulmans vont se mettre au travail pour pouvoir faire le nécessaire afin d'enterrer le prophète. Alors maintenant, la question qui se posait entre les musulmans, c'est que faire, comment l'enterrer? Et que faire? Comment procéder au lavage mortuaire? Eh bien, sachez qu'une voix sortit de la demeure prophétique demandant de le laver dans ses vêtements. Ça, c'est propre au prophète, ça, celle-là. Primant. Les musulmans se sont souvenus à ce moment-là même que chaque prophète qui meurt, et c'est le prophète qui leur enseigne ça d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, tout prophète qui meurt doit être enterré dans le lieu où il décède. Et c'est pour cette raison qu'ils vont l'enterrer dans sa demeure, dans son appartement, il sera enterré là. Et ainsi donc, mes honorables frères et sœurs, Anas nous dit, il dit, au moment où nous nous sommes mis à creuser la terre et à l'enterrer, on ne s'est plus reconnu nous-mêmes. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'imaginer. Ils n'ont pas encore réalisé qu'ils sont en train d'enterrer le prophète. Ils se disent, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Que sommes-nous en train de faire? On est en train d'enterrer notre guide, notre lumière. Et ça, croyez-moi, c'était un événement en soi très difficile et très douloureux en soi. Et c'est ici que se termine donc ce cours. Inch'Allah, lors du cours prochain, c'est quand le prochain cours? C'est le 24, hein? Ok. Lors du cours prochain, Inch'Allah, nous allons tirer les principales leçons de ce dernier instant, de ce dernier événement, de cette dernière étape. Et je voudrais aussi rappeler en passant, concernant le cours passé, nous avons parlé du pèlerinage prophétique. Je ne sais pas si je vous l'avais indiqué, que le verset Al Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété pour vous vos bienfaits et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Ce verset est descendu lors de Arafat. Ce verset se trouve dans la sourate, dans les débuts de la sourate Al-Ma'ida, la table servie. Et d'ailleurs, plus tard, les juifs diront à Omar, ils lui diront, tu sais Omar, il y a un verset dans votre Coran, s'il était descendu chez nous, nous les juifs, nous aurions fait de ce jour de sa descente un jour de fête. Alors Omar leur dit, quel est ce verset? Il dit, c'est le verset Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai complété, ou plutôt j'ai complété pour vous mes bienfaits, et j'ai agréé pour vous comme religion d'islam. Et c'est là qu'Omar dit, je jure par Allah Azza wa Jal, je sais quand ce verset est descendu, où
et auprès de qui. Et d'ailleurs, faites attention, ce verset ne représente pas le dernier verset. Ce n'est pas, beaucoup croient que c'est le dernier verset qui a été révélé dans le Coran. Ce n'est pas le dernier. Ce verset représente le dernier verset qui clôture la législation. At-tashri'a. Après ce verset, il n'y a plus d'enseignement, donc on va dire législatif, révélé. Mais quel est le dernier verset qui a été révélé? C'est lequel? Il se trouve dans la sourate Lava, sourate Al-Baqarah. Exactement. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. C'est le dernier verset révélé du Coran. وَاتَّقُوا يَوْمًا. Craignez donc ce jour où vous retournerez auprès d'Allah Azza wa Jal. Un message qui commence par taqwa et qui se termine par taqwa, par la crainte révérencée d'Allah Azza wa Jal, et qui se termine par la crainte révérencée. Et c'est pour ça que je vous invite à faire attention à certains détails dans la biographie lorsque vous trouvez qu'il y a insistance qui est faite à leur sujet, c'est qu'ils sont très importants. Voilà, barakallahu fikoum. Et nous nous reverrons, inshallah, au dernier cours le 24, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et en tout cas, je tenais une fois de plus à m'excuser pour le retard parce que c'est hors de ma volonté vu que j'avais une réunion à l'extérieur de Bruxelles et qu'elle a duré plus que prévu. Barakallahu fikoum et au cours prochain, inshallah. Je souhaite d'avance à tous mes frères et sœurs une bonne réussite dans leurs examens pour ceux et celles qui sont encore étudiants, qu'ils puissent réussir dans leurs examens. Et en même temps, je rappelle qu'il y aura donc un petit repas, c'est ça, hein? C'est-à-dire qu'il y aura un petit repas ce fameux 24, ici au Jardin des Jeunes, après donc la fin du cours, inshallah, Azzawajal, où nous terminerons en beauté en citant quelques leçons importantes que nous pourrons tirer donc de cette dernière étape prophétique qui est le décès prophétique. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, oui, c'est votre proposition? Je ne sais pas. Moi, j'avais pensé peut-être demander au frère Rami de la pizzeria de. Ouais, comme la dernière fois. Ou bien que chacun. Mais j'ai peur qu'il y ait trop. J'ai peur qu'il y en ait trop. Hmm? Donc, je sais pas, à vous de voir. Hmm? C'est quand vous voulez. Moi, je peux appeler le frère Ahmed Rami à la pizzeria, m'arranger avec lui. Voilà, on va faire ça, Inch'Allah. Donc, on va s'arranger, Inch'Allah, avec lui directement. Il y aura aussi un quiz concernant, donc, concernant la sirah, Inch'Allah, Azzawajal. Mais ça, je verrai avec les frères responsables comment organiser cela. Barakallahu fikoum, mes honorables frères. Je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et au 24, Inch'Allah. Bismillah.